Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et probablement la fin de notre aventure américaine. Nous en sommes à l'épisode 24 et Jacob est venu nous chercher pour la dernière fois. Fais pas, tu seras bientôt loin d'ici. Tu pensais être libre? Comme tes camarades, s'est donné beaucoup de mal pour rien du tout. C'est pas très grave. Ça lui apprendra. Je te l'ai dit, t'as rien d'héroïque. T'es juste utile. Tu vois, c'est ça ton destin. Mais tu le connais depuis le début. Allez, on est donc reparti dans cet hôtel, sûrement pour la dernière fois. Et après, on va mettre sacrifice à Jacob ce qu'il mérite très clairement. Et je suis cramé. Ok, on va faire gaffe. Ça manque un petit peu de difficulté cette épreuve, c'est dommage. Elle est pas mal, par contre il n'y avait pas de sniper avant. Souvenir qu'il n'y avait pas de sniper, ça devient un petit peu plus chaud. Et ça c'est pas pour me déplaire. Parce que c'est vrai que courir et tirer, c'est un petit peu chiant. C'est bien ce que je peux reprocher à ce Far Cry. Peut-être un petit peu trop simple malheureusement. Ah putain, c'est la première fois qu'il arrive à me coller un coup de crosse. Pas mal. Ok, on peut continuer. Il va falloir faire attention. Ah, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont plus volatiles. Hein. Avant, je prenais pas des balles. Ah oui. Ah oui, il n'y en avait pas autant que ça en haut. Hein. Il n'y en avait pas autant que ça. Il y avait encore moins de mecs à la mitrailleuse lourde. Jusqu'ici, on s'en sort plutôt pas trop mal. J'ai bien envie de garder. Non, j'ai gardé cette arme. Je préfère clairement cette arme. Ok. Tu es il m'a fait peur. On va faire attention, hein. Niveau vie, je suis déjà mid life. Je peux fondre très rapidement. Hop, c'est terminé, allez ça dégage. Ah non. Hop, on continue, allez ça dégage. Attends, c'est bizarre. Là les corps disparaissent pas. Là je crois que c'est des vrais frérots là. Là je crois que c'est des vrais frérots. Ah bah les faibles. Oh, ça pue la merde. Oh, ça pue la merde. Là, je crois qu'on est vraiment dans le bunker tout en bas. Oh ouais, c'est les vrais. C'est les vrais, frérot. J'en suis quasi sûr. Aïe, 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 aïe. Coup dur, hein. Coup dur pour les joueurs australiano. Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Hey, y'a que toi qui aurait pu l'approcher. Y'a avec toi pour gagner sa confiance. Y'a avec que toi depuis le début. Bien joué. Tu l'as fait. T'as réussi. T'as fait ton sacrifice. Mais maintenant, tu es seul. Et tu es faible. Et on sait bien ce qui va t'arriver. On va t'abattre. Il le faut bien, non? Je serai dehors, je serai là pour toi. C'était Jacob. Non! Écoute-moi.
C'était Jacob. Tu sais bien que c'est lui. Ronnie. Parker, c'est toujours comme ça. On laisse faire à chaque fois. Vous retrouvez ce fils de pute. Retrouvez Jacob. Collez-lui une balle. Ou la prochaine fois que je vous vois. Je vous préviens. Je vous tuerai moi-même. Ouais, enfin, sans être méchant avec tout ce que j'ai déjà fait pour eux, pas non plus qu'ils abusent et qu'ils fassent les ricains en mode va le tuer ou je t'arrache. Là, ils sont totalement américains, c'est ce qu'on aime, c'est l'Amérique. Ah. Je suis content de te voir. J'ai bien cru que j'allais devoir venir te chercher. D'accord. J'ai cru que tu commençais à m'ignorer, mais tu es un... Ah d'accord. Ok, détruisez les leurres sonores. Ok. Comment détruire ça? Comme ça, j'ai trouvé, n'en dites pas plus évidemment. Ne pleure pas, Ellie. J'ai pris ce que je méritais. Oh mais il y en a partout, l'enfer. Il suffisait juste qu'il nous cède ses White Tails. Ça nous aurait épargné bien des ennuis. Ça, ça dégage. Ça dégage. Ok. C'est la merde, hein. Ne lutte pas. Laisse-toi aller. Tu m'as bien servi. Le sniper a servi à rien. Détruisez les leurs. Oh, c'est chiant. Non, les mecs. 1 sur 6. Il y en a en bas. On va passer par ici calmement. Ça dégage. Oh, j'en ai marre. Hein. J'en ai marre de tomber toujours dans... Mais je suis vraiment triste aussi, putain. Et ensuite, je le voyais pas aussi proche que ça pour être honnête avec vous. J'en ai marre. Les White Tails ne sont rien sans Ellie. Et toi non plus. Tu n'es rien sans Ellie. Tellement bien cette musique, par contre, les gars, putain. Aïe. Ok. Tu n'es rien. Ok. On essaye au snipe, mais c'est pas évident parce qu'il y a du monde un peu partout. Oh putain, tu c'était es plus Jacob. Fort que tu le crois. Mais tu auras beau me tuer, ça changera rien. Tu crois que ça me fait peur de mourir? C'est mon seul objectif. J'offre ma vie à Joseph. Ok, aïe! Non, c'est pas vrai! Je sais quel rôle je joue. Je suis son sacrifice. Allez, c'est bon. Ce n'est pas plus compliqué. Ça dégage. T'inquiète que je vais t'offrir. T'inquiète que je vais t'offrir à Joseph, mais en plusieurs morceaux, mon pote. Tu vas prendre ce que tu mérites. Oh putain, il a disparu quand même. Et ça, c'est le beau jeu. Ça, c'est l'espoir. Tu ne trouves pas ça drôle? Que tous les gens que tu essaies d'aider s'en sortent encore plus mal. Ellie, Pratt, tu es une tragédie ambulante. Ok. Si tu voulais vraiment protéger les gens, jouer les héros, tu te donnerais la mort. Ce serait plus sûr pour tout le monde. Pas un problème. Oh, c'est chiant, hein, par contre, hein, ça rend putain. Après, je sais qu'on va s'affronter, mais quand même, hein. Ça dégage. Les loups t'encerclent déjà. Ouais, pas vraiment, hein. Ils étaient deux. Allez, c'est le dernier. Le destin est implacable. Voilà. Lui m'énerve. Ok. On va faire attention. Bien joué, t'as été le meilleur. Voilà, ça dégage.
Mehdi, on prend... Oh, gilet. Bon, les gars, là, vous m'avez plus que gâté, évidemment. Évidemment, ça, c'est beau. Ça, c'est le sport qu'on aime. Régalez-moi, bordel. Ça veut pas tirer? Ah, d'accord, ça voulait pas tirer. Très bien. Ok. Pourquoi pas, les gars? Pourquoi pas me retirer quelques HP entièrement gratuitement? Le plaisir. Allez, ça, c'est fait, mon pote. Ah d'accord, il a ride. Touché ou pas? Non, ils abusent, les gars, prévenez ça au moins. Ils m'ont mis à côté d'explosifs, putain. Je vais l'enculer. Je vais leur mettre tout ce qu'ils méritent. Avec mon nouveau space. Voilà, ça dégage. T'inquiète pas, mon pote, y'a rien qui me fait peur ici. Hein. Préparez-vous à l'assaut. Ça va aller très très vite. Oh, ça, c'est la tête, ça. On peut mourir au moins, parce que... Est-ce qu'il peut au moins mourir? Ok. Ça, on confectionne. Je sais pas, je pense pas qu'il puisse mourir comme ça. Voilà. Ça, c'est fait. Je pense pas qu'il puisse mourir comme ça. On peut réessayer quand même pour le play. Quoi? Non, attends, c'est sérieux quoi? Allez, Jacob, c'est fait, mon pote! Bah si, il était super simple en vrai. Au sniper! Mon frère avait tout compris. Je sais pas s'il parle au Seigneur. C'est pas important, il a vu juste. L'humanité est à nouveau en crise. Peu importe ce qu'on peut faire ou construire, on trouve toujours un moyen de tout détruire. Babylone, Rome, les empires se font, les empires se défont, et pour l'Amérique, ce sera pareil. On se croit tellement invincible. Les guerres mondiales, le terrorisme. On croit survivre, mais ça nous rapproche juste un peu plus de l'abysse. Et cette fois, on y est. On est pile à l'heure. On attend juste que quelqu'un nous pousse. Et putain, tu pousses de toutes tes forces. T'as fait exactement ce qu'il attendait. Et tout ça sans même t'en rendre compte. T'es tellement... prévisible. Jacob, c'est fait. On a terminé les trois chefs des trois régions. Il en reste plus qu'un, et c'est Joseph. 3000 dollars. Je sais pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Merci. Mais les gens de mon chef vont reprendre leur vie. Mais bon, au moins Ellie ne sera pas mort pour rien. Je suis désolée pour tout ça, vraiment. C'est pas entièrement de votre faute ce qui s'est passé. Mais on n'a pas le temps de pleurer ou de chercher les responsables. L'officier Pratt et un paquet de Wild Tales sont enfermés dans l'armurerie de Jacob. Faites vite.
Blessure de guerre, mission principale. Oh, le bunker, toujours ce bunker. Bunker terrible. Jacob, c'est fait pour tout le monde, hein, les gars. Ça y est, c'est terminé. On va aller les libérer dans le bunker qui est assez loin, on va pas se mentir. Donc, c'est parti. On va prendre l'hélico, le temps d'aller au bunker. On va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire. Quel plaisir, en tout cas, quel bonheur. Ça y est, c'est fait. Je devrais faire un tour dans une boutique pour voir ce qu'ils proposent. Il reste plus que Joseph. Et en sortant du bunker, on verra ce qu'il a à nous dire. Ça me met toujours d'humeur à me faire monter contre un mur. Allez, à tout de suite tout le monde. Direction le bunker. T'es prêt à valser avec les cinglés ? Allez, on est parti pour l'armurerie Jacob. Bah les gars, on va atterrir, regardez bien. Vous êtes prêts ou quoi ? Ça dégage. Voilà, c'était ça, il fallait que je le fasse au moins une fois. Oh la vache. Ah, je pensais pas prendre aussi cher en vrai. Ok. Oh, je pensais tellement pas prendre aussi cher. On va faire payer la mort de Jacob. Je vais les faire tenter. On a de la visite. Et ben voilà. Là, ça fait plaisir. Bon, on est parti, on arrête les conneries. Eh les gars, j'espère que vous êtes prêts. On va tout découper au space. Ça va parler chinois. Ça y est, c'est terminé. Le tout dernier bunker. Donc, en fait, chaque boss avait un bunker, hein, vous l'aurez compris. Hein, ok, je crois que j'ai compris. On dirait qu'ils enferment leurs prisonniers tout au fond de ce bunker. Si vous voulez sauver Pratt, vous allez devoir passer par la salle de contrôle. J'imagine que tout l'endroit est verrouillé. Et si vous commencez par là, vous devriez pouvoir tout ouvrir avec la clé de Jacob. On va le ramasser, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est... Attends, hop, ça dégage. C'était... Voilà, c'était ça. Je veux faire des petites actions sympas. Hop. Ok. J'ai essayé un truc. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Tiens, vas-y, je fais un truc dans le style là. What? J'ai des grenades incendiaires maintenant. Ok. Ouais, bah attendez. On va y aller à la mitrailleuse lourde parce que ça me fait chier que... Voilà, ça dégage, c'est pas un problème. C'est par ici la sortie. Non, c'est par où? Attendez, quelle est cette sombrerie? Quel est ce subterfuge? Oh, c'est mignon! Oh, c'est tellement mignon! Ils ont fait un petit hôtel et tout. Ok. Maintenant, faut aller le sauver. Alors là, les gars, ça sent la merde, là. Il y a du monde en haut, hein. Il y a un snipe là-haut. Attends, je suis déjà passé par ici. Quelle est cette sombrerie? Aucun problème. C'est passé comme une lettre à la poste, si je peux me permettre. On va reload au calme. Ça dégage. On essaye d'économiser quelques balles quand même, ça ferait plaisir. Ok, direction les labs. Voilà. Bon, jusqu'ici c'est pas... Les gars, quand vous avez... Voilà, c'est le problème du jeu, c'est qu'il est pas super bien équilibré. Peut-être un petit peu trop simple, il suffit d'une M60. Tu fais quasi tout le boulot avec. Pardon, t'es réel. Pardon. Est-ce que t'es réel? Tiens. Désolé. Non. Balance. Me tue pas. Pitié. Pardon. Il a dit que j'étais faible. Pitié. Que je méritais ça. Je suis désolé. Il a peut-être raison. Non. Peut-être que je le mérite. Non. Peut-être bien. Non. Me tue pas. Pitié. Pardon. Que je le mérite. Peut-être que je le mérite. Peut-être que je le mérite. Non.
qu'on y aille. Allez, c'est parti cette fois, il faut sortir du bunker. Le jeu est magnifique, le jeu est tellement magnifique les gars, c'est incroyable je trouve. Je le trouve tellement beau. C'est ouf hein, qu'on arrive à des jeux aussi, aussi classe. Graphiquement parlant, c'est assez impressionnant. Ok, faut passer par ici. Yo les gars. Ah, je vois. N'en dis pas plus. Hop, je tue tout le monde hein. C'est rien, relève-toi. C'est rien. Ça arrive. Tu t'es chié dessus, je comprends. Quoi? Mais j'étais tellement loin. Oh, c'est nimp. Ok, aucun souci. Allez, on est parti, on monte. Chaque bunker, on doit s'en échapper. Franchement, pas de problème. En plus, il me semble que la sortie était, était pas très loin. C'était 3-4 pièces, fuyez l'armurerie, ouais, on est d'accord. Je vais partir en hélico comme d'hab. Parce que ça c'est la classe. Ok, on va peut-être pas reload maintenant. On doit bien avoir encore 80 balles au minimum dans l'arme. Ah normalement il y aura des vannes à désactiver aussi. On va essayer d'y aller rapidement. Là on va reload parce qu'on est dans le rouge. Il nous reste plus de 20-30 balles. Ouais, mon coéquipier prend du temps, mais c'est pas grave. Il nous rejoindra tout seul. Aucun souci. C'est magnifique, les effets de lumière. En fait, le truc, c'est que tout est beau dans ce Far Cry. Tout est magnifique, tout est sublime. Mais il y a quelque chose, peut-être en trop. Cette peur des blancs, déjà. Le coup de la drogue qui était pas ouf. C'est dommage. Je trouve que ce Far Cry 5 a pas été mis à sa juste valeur. Et ça, c'est fort dommage, tout simplement. Allez, rejoindre la zone sécurisée. Aucun problème aussi à ce niveau-là. Regardez, hop. Et ben voilà, aucun problème. Whitetail Mountains, région libérée. Ça y est, il reste plus que Joseph